Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de vlog à consonance musicale. J'espère que vous allez bien en ce moment, puisque on est en juin et je regarde une tablette là. On est en juin et c'est le moment où commencent tout doucement les concerts et les festivals de musique et. Je suis un peu déçu puisque je suis sur la paille et donc je n'ai aucun argent. Donc à part les festivals gratuits dans mon département, si j'ai un peu d'essence, vous savez, des trucs en ville ou autre, malheureusement je pense que je vais rien voir de, excusez-moi, hop, de très intéressant. Alors sur cette vidéo à titre putaclic, eh bien voilà mes lunettes de non-philosophe, j'ai choisi d'aller commenter un petit peu l'affiche de cette année du Hellfest. Festival dans lequel j'ai aimé faire mes armes et mes connaissances depuis 2006, puisque j'y ai travaillé aussi. J'y ai travaillé 6 ans, 3 ans en régie générale, 3 ans en restaurateur, enfin, installation, surveillance et paramétrage, voilà, des circuits de restauration sur le plot concerné, vous savez, le U, hein, ce qui est devenu le U ensuite avec les restaurateurs. Et donc c'était des très bonnes expériences. Je salue ici, si elle le voit un jour, Anaïs, mon ancienne amie Marie aussi, que j'ai perdu de vue, Josh et tous les autres, voilà, ils se reconnaîtront. Et puis l'an dernier, j'avais fait un retour sur la session 2023 du Hellfest, qui m'avait plu à bien des égards sur, comme d'habitude, hein, des super groupes à découvrir ou à revoir. Et l'année dernière était sympa. Et en même temps qui m'avait beaucoup déçu, mais ça je pense que j'en ai plein le dos en fait de l'organisation, c'est si vous mettez pas des ronds, c'est encore pire, hein, si vous mettez pas des ronds, si vous vous prenez pas 4 ans à l'avance pour trouver un plan de dodo, hors tente, etc., c'est vous allez passer un sale quart d'heure, surtout si vous avez dépassé la trentaine et que vous êtes un peu cassé, etc., donc ça devient très fatigant, notamment... Ouais, le repos, etc. Voilà, faut bien se remettre. Donc là, on va regarder un petit peu le running order scène par scène pour voir ce que je vais rater, puisque j'irai quand même, j'ai réservé un petit peu d'essence pour aller tous les jours, essayer de trouver quelqu'un qui me vendrait une place éventuellement. J'ai déjà trouvé 2 journées comme ça les années précédentes. Depuis 2006, j'ai dû rater 3 années de Hellfest. Cette année-là, enfin 3 années complètes en tout cas. Et cette année-là, la 2024, comme j'ai pas de thune pour m'acheter un pass, j'ai un pote qui a un pass en double, mais je peux pas lui payer, donc il va le revendre, parce que c'est quand même pas loin de 400 euros, je serai privé. Donc je vais essayer d'aller choper une place, potentiellement le jeudi, j'aimerais bien surtout aller le jeudi. C'est une journée plus courte, vous savez, plus aérée. Et puis il y a Megadeth, quoi, voilà, bon, ça fait quelques années que je les ai pas vus. Et puis plein d'autres trucs, l'Immolation, etc. Donc des trucs bien. Donc, on va regarder un petit poil ce qu'il y a là-dedans et désolé, je pourrais pas vous rencontrer au Hellfest ou alors vous me verrez que à la porte d'entrée pour essayer de trouver à la billetterie un moment où quelqu'un revendrait une place et je pourrais dépenser comme ça 140 balles à brûle-pourpoint, parce que je pense que c'est à peu près le prix d'une journée, hein, vous me direz. Donc, tout ça, c'est que des trucs hypothétiques, donc ça devient très fatigant, hein, d'être pauvre dans ce pays parce que ça. Ça limite énormément finalement l'accès à la culture. Je me serais bien vu dans une autre vie, peut-être. Je sais pas, pas photographe, parce que je suis pas très artiste. Mais je sais pas, donner du grain à moudre à de la scène, être peut-être journaliste, je sais pas. Allez, tiens, je l'avais pas reconnu, alors que j'avais pris déjà des selfies avec lui à l'époque, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Monsieur Vitriol, là, je sais plus comment il s'appelle. Anal Natrark. Alors très bon groupe s'il en est. Pareil, vu et revu, mais m'aurait pas dérangé d'aller les revoir. Parce que cette espèce de black survitaminé au grindcore monstrueux. Très très bien. Alors excusez-moi, j'ai une culture qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne vais pas détailler tous les groupes, tout simplement parce que je ne les connais pas tous. Et c'est pour ça que Hellfest est toujours une bonne porte d'entrée. Même si vous ne faites qu'une journée, c'est pour ça que je voulais m'offrir au moins ça cette année, mais c'est même pas la peine. C'est qu'on peut toujours découvrir des choses variées qui peuvent vous développer finalement un intérêt pour des musiques. Donc là, ensuite, on a Batouchka, hein, donc vu et revu, pareil, ça c'est à chaque fois très très bien. Donc c'est le Batouchka Christophor, hein, c'est pas le Bartholomé, hein, c'est donc non, le vrai Batouchka, on va dire.
Corvus Corax, j'ai juste écouté, c'est pas trop ma came. Ensuite, alors je regarde là que des scène par scène sur tout le week-end. Donc là, on regarde déjà le Temple, on passe sur l'altar ensuite, on fait la vallée. Cradle of Filth, vu, revu, re-revu, re-re-revu, re-re-re-revu. Je ne connais pas le dernier album ni l'avant-dernier. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est à chaque fois un assez bon spectacle de voir Danny et sa voix complètement éraillée et aiguë sur scène. Dimmu Borgir, par contre, je suis plus fan. Faudra que je présente la discographie sur ma chaîne, un de ces quatre. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai pas vus live. Je me demande même s'ils n'avaient pas fait une sorte de hold on. Ils avaient retenu un petit peu leur présence à un moment donné. C'est devenu ce que c'est devenu. Ça a moins le panache qu'il y avait avant. C'est un peu plus Disneyland black metal, mais c'est dans le voilà. Je dirais c'est le courant normal, je pense, de ce genre de groupe. Ensuite, on a Dolch, très très bien. Je les avais vus en live avec The Ruin of Beveras, je crois. Très 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 bon, très frais. Ensuite, on a Eivar, je ne sais pas ce que c'est. Je vous montrerai pas parce qu'il y a une moitié une paire de loches avec des cheveux devant, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et, alors, ça c'était Eivar, Eihwar. Ensuite, il y a Eivo, O barré R, Eivor, je ne sais pas ce que c'est, on voit la tête d'une femme. Emperor, bon, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Moi, ça a été un de mes lives de ma vie en 2007, le retour d'Emperor au Hellfest. Donc là, c'est dommage de rater ça aussi, bien entendu, hein, parce que c'est hallucinant. Ereb Altor, je crois que j'ai jamais vu. Houle, alors c'est les nouveaux poussins, les nouveaux poulains de. Non pas d'Amélie, mais de Gérald, des Acteurs de l'Ombre, avec cette chanteuse, avec une voix assez puissante. Rien à dire sur ce groupe, c'est encore une fois un groupe à imagerie. Ils se sont collés à un truc un peu Bretagne, la mer et compagnie. Vous n'avez pas cette imagerie-là, vous enlevez le bruit des phares, enfin des bateaux et de la criée, et vous entendez du black metal ultra standard à la tout le roster, trois petits points, de Les Acteurs de l'Ombre. Donc c'est un groupe qui est bien ficelé, mais qui n'a strictement aucune saveur, à mon sens, hein, c'est mon propre goût. Je crois qu'ils n'ont qu'un EP pour l'instant en plus. Donc c'est assez marrant d'ailleurs de voir des entrées de groupes qui n'ont pas de passé en fait. Mais ça, je pense que je sais pourquoi ils sont là. Donc voilà, je ne vous fais pas le dessin. Ceux qui savent lire à travers ce que je dis ont compris. Ensuite, on a Hrafnir. Alors ça, je les avais déjà vus, je crois, si je ne me trompe pas, au Motocultor. Je suis arrivé en fin de set. C'est classique, c'est des trucs païens, voilà, les tambours, les machins, classiques. Alors, je ne savais pas qu'il y avait ça. Enfin, j'avais peut-être vu déjà l'affiche il y a quelques mois, mais je ne savais plus. Purée, qu'est-ce que j'avais passé des bons moments aux alentours de 2006. Emperor. Crystalline Entombment, ICE, Ice. Ouais, ils avaient que un album ou deux albums à l'époque, et moi j'avais bien aimé, c'était bien puissant. Pour ceux qui aimaient bien les Immortals, les trucs comme ça. Non, ouais, vous voyez, ça c'est pareil, ça me surprend de les voir là, bah, c'est une très bonne nouvelle. Cannon and Fever, voilà, je ne sais pas si c'est un truc autrichien, je crois, je sais plus. Ensuite, on a Korpiklani, donc rien à dire. Forcément sur ce groupe, déjà vu, revu, re-revu, re-re-revu. Ça ne m'amuse pas plus que ça, c'est de la musique folklorique, quoi, voilà. Mork, alors je regrette de ne pas être encore une fois. Je crois que cette année, je vais vraiment la sentir passer, hein, au niveau regret, vous voyez, de louper des trucs. Mork, jamais vu en live, j'aurais bien aimé les voir. Morne, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ensuite, on a Sang-Froid. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vaut le coup, est-ce que c'est français? Je vais pas cliquer dessus parce que cet appareil est très lent et j'ai peur que ça me foire complètement le truc. Alors attendez, si on va faire un test quand même, je vais cliquer sur Sang-Froid, comme ça on verra comment ça fonctionne. Je vais devoir meubler parce que c'est très lent à chaque fois à charger. Il n'y a quasiment pas de réseau, c'est horrible. Ouais, et là ça charge toujours donc je pense que j'ai fait une erreur. Alors Sang-Froid, marcher seul dans la nuit, le cœur lourd dans une ville trop grande, à l'architecture froide, c'est le sentiment que l'on ressent à l'écoute de la musique de Sang-Froid, synthèse savamment élaborée de gothic rock, de cold wave et new wave. Elle navigue dans un univers froid, gris, dimanche. Ok, 11h, 11h35. Encore une fois, dommage pour eux, c'est encore un moment où les gens sont en train de cuver dans leur tente ou dans leur camping-car qu'aura prêté Tata Gertrude, le camping-car à 100 000 euros. Ils seront en train de se faire encore des saucisses avec leur passe 4 jours à 15h de l'après-midi quand ils auront tous raté ces super groupes. Donc,
Bon, bah ouais, sans avoir pu. Enfin, je pense que je ne pourrais pas bénéficier de leur concert, parce que je vais me pointer chaque matin, mais je pense que je ne trouverai pas de place au rachat, donc je vais rater ça. Dommage, j'aime bien la Cold Wave. Ensuite, on a bah, Satyricon. Ça fait longtemps que je les avais vus en live. Peut-être que certains d'entre vous qui connaissent mon attrait pour le black et tout se demandent pourquoi j'ai pas présenté Satyricon sur cette chaîne, tout simplement parce que je n'ai jamais été fan de ce groupe. À part le titre Mother Heart dans le premier album, je crois. Peut-être Nemesis Divina aussi, il y avait 2-3 trucs bien. Il y a quand même dans les 2-3 premiers albums des choses cool. Après, je trouve ça tellement bateau, tellement prévisible. Ouais, non, c'est pas ma came, hein, franchement, Satyricon. Mais c'est vrai que dans les 2-3 premiers, il y avait des choses très belles. Shining. Alors, pas le Shining de Gvarforth, hein, ça se voit d'ailleurs, on les reconnaîtrait. Donc, ce Shining-là, je les avais déjà vus. Dans le sud de la France, Shores of Null, je ne connais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça va être trop trop chiant sinon, si vous les connaissez, hein, de cliquer et de lire. Skalmöld, je crois que c'est un groupe nordique, ça aussi. Ça me dit rien, ça m'attire pas plus que ça, parce que ça fait déjà 15 ans que j'ai arrêté d'écouter les trucs nordiques. Skyclad, ça c'est très très bon, je crois qu'ils sont. Est-ce qu'ils seraient pas britanniques? Je crois que oui. Je les ai jamais vus en live, mais j'avais bien aimé ce que j'avais entendu en Scud. Sylvain, je l'ai raté au Motoc de l'an dernier, on m'a dit que c'était très bien. Donc là, c'est pareil, encore un truc raté bien. Tron, Throm, ne connaît pas. Ah bah, Tiamat, les papas. Donc ça, c'est pareil, hein, je pense que c'est des groupes qu'on peut encore voir relativement régulièrement, mais est-ce que je les ai déjà vus? Je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, encore un moyen de rater quelque chose de bien. Ouhé. Alors, Ouhé, c'est mongol, je pense, ou c'est de la République de Touva. Et bah, cette année, tout va bien, je rate aussi ce groupe-là. Bon, c'est un peu ils ont un peu la hype, hein, en ce moment, ils sont un peu des étoiles montantes, les groupes un peu de rock typé métal de Mongolie, ou de Mongolie intérieure, ou de la République de Touva. J'ai l'impression que l'an dernier, déjà, il y a eu The Who. Là, on est un peu dans le même univers, voilà. Ensuite, il y a Wayfarer. Alors, j'entends souvent parler de ce groupe, mais je vous avoue que je crois ne même pas avoir entendu. Chapeau de cow-boy, ambiance un peu sombre, à la Field of the Nephilim. Je ne sais pas si ça ressemble, je pense pas. Ah, Vigedo, ouais, Vigedod, les Néerlandais, là, ou les Flamands. Ouais, je crois que c'est des Flamands. Ils font partie du même groupe, en fait, vous savez, que Amenra, etc. Très 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 bon, je les ai déjà vus en live au Motoc, excellent. Franchement, si vous avez la chance d'aller au Hellfest cette année, allez voir Vigadode ou même écoutez-vous un album de ce groupe-là. Très bien, je crois que ça veut dire les ailes de la mort. Yoth Iria, jamais vu, inconnu au bataillon, comme dirait l'autre là, Claudie Faucan dans Dicknec. Jamais vu, inconnu au bataillon. Et on a fini pour. Je ne sais pas quelle journée, est-ce que ce serait le dimanche? Je ne sais plus. En tout cas, on a regardé déjà pas mal de groupes là sur la partie Temple et on était sur Week-end complet, donc je pense que c'est tout. Altar, je vais cliquer dessus. Ah, coucou Coris, tu vois cette vidéo, un de tes groupes préférés, donc Amorphis, hein, les Finlandais. Leur premier album, c'est vrai qu'il est quand même vraiment vraiment coton, il sort un peu des sentiers battus, il mélange mélodique, death, doom, etc. Ça a été le premier, j'ai vu ça sur Metal Archive, ça a été le premier album entrée, c'est la première entrée de Metal Archive en 2002, quand le site a été créé par le combo de Montréal, là, Hellblazer, et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Blockheads. Déjà vu et très bien, pourtant c'est pas ma came, c'est très hardcore quoi. Et enfin, franchement, je trouve qu'il y a une énergie assez formidable dans Blockade, c'est vraiment très bien. Ensuite, on a en dessous Brand of Sacrifice, je ne connais pas, donc ça aurait été une bonne découverte. Ah, les Brujeria, je les avais oubliés. Bon, ils sont cotons ces gens-là, hein. C'est type cartel mexicain et compagnie, ça fait assez flipper. Ouais, c'est un groupe assez horrifique qui mélange aussi un peu death, grind, etc. Vraiment, je les avais déjà vus et c'est aussi très très énergique. Caliban, j'y pense rien. C'est un groupe que j'ai vu passer au fur et à mesure des années, mais rien à en ajouter, c'est pas trop ma came.
Coucou Hank, mon grand frère est fan de Dark Tranquility, donc il passe, bah, je crois qu'il passe jeudi justement. Donc bah, voilà ce qu'on va rater. Moi j'espère jeudi pouvoir quand même rentrer si quelqu'un me vend une place à l'entrée. Dark Tranquility, moi j'avais passé un bon moment au Motoc aussi il y a 2 ans de ça où ils étaient passés, ils avaient joué un set très très éclectique, vraiment très bien. Donc on est sur des trucs un peu misanthropes, Septic Flesh et compagnie, donc Death Doom très mélo. Deficiency, ça a l'air d'être des petits jeunes, plus ou moins, ben, je sais pas ce que c'est. Destinity, kiff kiff, je sais pas ce que c'est. Dismember, alors ça je sais ce que c'est, hein, c'est bien suédois, c'est du death metal comme il faut, c'est ceux qui ont inspiré mes petits chouchous japonais de Intestine Baalism. Par contre j'aime pas tout moi dans Dismember, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime vraiment 2-3 albums comme ça sur toute l'intégralité de la discographie, c'est pas égal je trouve. Einar Solberg, je ne connais pas. Encore de la musique nordique peut-être. Alors là, je vois la grosse tronche de David Vincent. I am Morbid. Bon, j'ai pas suivi, hein. Pourtant je suis assez fan de Morbid Angel. C'est quoi? C'est un ersatz de, je crois, de Morbid Angel, mais juste pour des trucs un peu électro. Je sais pas. Attendez, je vais cliquer dessus parce que je suis trop curieux, je peux pas passer à côté de ça. Surtout si c'est des gens, ou en tout cas une personne déjà, un artiste que je connais. Mais ouais, je vais vous paraître con-con, hein. Le mec il dit qu'il écoute du métal et tout. Alors concevoir l'expression de l'ange morbide dans la voix, sans la voix caverneuse de David Vincent et le pulse insufflé par la batterie de Pete Sandoval relève de l'hérésie pour nombre de die hard fans. Non, comme dirait Mario. Bah non, moi je m'en fous complètement de David Vincent dans Morbid Angel. C'est Steve Tucker hein, pour moi, clairement. Donc je m'en fous quoi. Désormais seul maître à bord de leur entité, ces deux-là viennent résoudre le problème et perpétuent loin des querelles l'œuvre occulte et blasphémateur du légendaire combo floridien faisant retentir avec poigne ses hymnes à la gloire du malin. Ah non, c'est vraiment du death metal. Avec Pet, putain. Ok, donc ils ont récupéré le nom Morbid Angel, mais ils disent juste I am Morbid. Les histoires de justice entre les groupes qu'on du pèse, je vous assure, moi ça me dépasse. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que je regarde, mais pourquoi j'ai pas de la maille? Jeudi, je vais rater ça, les amis. Je vais bientôt présenter le groupe en tier list sur ma chaîne. C'est ben, l'un des meilleurs groupes du monde, hein, je crois qu'on peut s'accorder à le dire, ou en tout cas l'un des meilleurs groupes de death metal, si ce n'est les inventeurs même, avec Mortician et Death du death metal, quoi. Karma Zero, rien que la dégaine, je pense que ça s'adresse pas à moi. Bonnet, casquette à l'envers et compagnie. Cataclysm, hein, ça fait longtemps que j'avais pas vu la tête de Maurizio, qui a pris quasi 20 ans depuis que je l'ai vu en live à Paris. Fatigant, hein. Le petit Canadien, très gentil, très gentil, très très gentil ces gens-là. Clone, le retour, le re-retour. Bon, bah force à eux, hein. Je sais qu'il y a eu des histoires avec eux, machin. Bon, je ne peux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Chronos, bah, on est sur, je crois, de souvenirs du Death français, hein. Je crois qu'ils sont de La Rochelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est des gens qui connaissent la musique. Je les avais vus une fois en concert. Ouh, là, il y a longtemps. C'était pour un tremplin, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est de sacrés icos. Legend of the Damned, j'ai jamais aimé. Je les ai vus en concert aussi au Death Walking Tour avec Cannibal Corpse et Cataclysm il y a, en 2006, je crois. Je me souviens, j'étais allé retirer de la maille à Place de Clichy, là, à Paris. Et juste à côté de moi, il y avait, qui faisait la queue, il y avait le chanteur, là. Je crois que c'est lui. Nous, on a papoté un petit peu. Ils sont gentils, mais moi, ça me touche pas beaucoup, hein, leur musique, vraiment. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est bien, peut-être? C'est sûrement bien. Ne Oblivis Caris. Je connais pas. Est-ce que c'est un truc un peu de goth? Je sais pas. Oh là là, là je vais en chier. Je vais en chier de rater ça aussi. Nos amis de Nile. Bah oui, hein, je suis fan. Et en plus, cette année sort bientôt le tout nouvel album. Vu la violence de Vile Necrotic Rites. Dont j'avais eu du mal à rentrer dedans, mais qu'au fur et à mesure, vous vous en délectez en fait, parce qu'il est ultra complet. Le prochain, à mon avis, ça va être encore un truc haut du pavé, quoi, haut du pavé. Pain of Salvation, bon, ça c'est un groupe mythique aussi, hein, ça fait partie des trucs, je pense, qu'il faut voir une fois au moins. Sanguisugabog, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, dites-moi. Shadow of Intent. J'ai écouté récemment, justement. J'ai redécouvert le groupe récemment. C'est pas très vieux, hein, je crois. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça joue très bien.
Sodom, déjà vu l'an dernier, donc ça c'est pas grave de le rater. Moi Sodom c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus. Je ne jure pas que par ça. Ensuite, alors, là c'est bizarre un peu comment ils sont vêtus. Solitaris. Il y a du kéfier palestinien avec des casquettes et des masques, c'est vraiment un peu bizarre. Dites-moi si vous connaissez Solitaris. Suffocation, bah, ça c'est pareil, hein. Faudrait que j'en parle sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous voulez? J'enfonce des portes ouvertes avec notre chère Terence là qui on dirait qu'il vieillit jamais, hein. C'est quand même fou ce gars-là. Textures, je connais pas. Ou en tout cas, j'ai entendu parler de ce groupe, mais je n'ai jamais fait le pas vers eux. De Acacia Strain, connais pas. Black Dahlia Murder, donc RIP, hein, qui vous savez. C'est un groupe que j'ai beaucoup en respect, en haute estime. J'avais vu avant le suicide du chanteur, hein, peut-être un an avant son suicide, encore. Hein. Il paraissait pas si fatigué en fait de la vie, mais j'ai compris qu'il y avait des trucs bizarres, avec des trucs d'ordre sexuel. Il a eu, vous voyez quoi. Truc bizarre. Des revenge porn. Je crois que c'est pour ça qu'il s'est foutu en l'air. Des Haunted, qui est un groupe qui commence à dater un petit peu maintenant, mais c'est pas trop ma came. Oh, j'avais pas vu qui passait au Hellfest. Mon Dieu, il y a Wormrot. Pour ceux qui connaissent pas et qui avaient la chance d'aller au Hellfest, allez les voir. C'est pas tout le temps qu'on peut voir ce genre de groupe. C'est un groupe. Je vais encore dire une connerie. Indonésien, je crois. C'est pas Singapour. C'est pas Singapour, c'est indonésien. Brutal grind, machin. Enfin, très 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 bien. Très 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 bien. Et puis on a fait le tour. Ça me paraît un peu bizarre que. Si, ça fait déjà pas mal de choses là qu'on a vu depuis le début. Ouais, bon, ça doit. Je crois qu'il y a 180 groupes. Hein. Allez, on avance un petit peu. Après l'altar, après ça va aller beaucoup plus vite. Parce que comme moi je suis pas fan des trucs qui se situent hors des tentes, généralement, bah, ou vite fait à la Warzone, on ira plus vite. Hein. Moi vous me connaissez, je parle surtout de Death and Black. Crosses. Je sais plus si j'ai écouté. Thousand Mouths, je connais pas. Acid King, je connais. C'est pas mal, mais à petite dose pour moi. All Them Witches, je ne connais pas. Black Rainbows, je ne connais pas. Brutus, j'ai vu l'an dernier, ça m'a pas du tout touché. Après, peut-être que j'étais pas dans le mood. C'est une chanteuse qui est à la batterie. Et bon, peut-être que c'est bien en fait, hein, mais je sais pas, j'ai pas été touché. Chelsea Wolfe, exceptionnel. Exceptionnel. J'avais vu avec le CD qu'ils avaient fait particulièrement là avec. Zut, ça y est. Je perds mon. Je sais plus, ça va revenir tout à l'heure. Avec Converge, voilà. Donc très très bien. Dool. Je sais pas si j'ai vu. Je crois même que j'ai jamais entendu. Fu Manchu, déjà vu. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Hein. Gaopa, je connais pas. Gozu, je connais pas. Graveyard, je connais pas. King Lung, je connais pas. Heriot, je connais pas. Julie Christmas, je connais pas. Kemis, je connais pas. Kemis, c'est bas. Commodrag and the Monodour. Monodor, je ne sais pas. Convent, c'est un groupe de filles. Je ne connais pas. C'est marrant, hein. Vous voyez, comme quoi, on me dit, ouais, Kat, tu connais tel truc. Bah, en fait, je connais rien. Alors, Kvelertak, je les avais vus. C'est un groupe qui est quand même assez bien coté. Hein. Je crois que c'est des Suédois, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est assez frais. Ça, j'avais bien aimé. Mr. Bungle, bon, bah, exceptionnel. Exceptionnel, hein, ça se présente plus. Oxbow. Tiens donc, coucou Julien, si tu vois cette vidéo, regarde, est-ce que ce serait pas ton Oxbow à toi, ça? Je pense que oui, hein. Et si c'est le cas, c'est très bien. Parce qu'il m'a fait écouter ce copain-là, là, qui regarde la chaîne, ce groupe que je vous conseille. Pensée Slow, je connais pas. Pearl, je connais pas. Planet of Zeus, là on commence à aller sur des trucs post-metal, etc. Donc, Red Sun, Atacama, je ne connais pas. Rendez-vous, je ne connais pas. Rival Sons, je ne connais pas. Sierra, je ne connais pas. Spotlight, je ne connais pas. The Devil's Trade, je ne connais pas. Therapy, je ne connais pas. Et voilà, comme ça c'est cool. J'ai raté plein de trucs cette année. Je vais rater plein de trucs que je ne connaissais pas. Donc je ne les connaîtrai toujours pas. Parce que vous savez, il y a des approches musicales. Parfois, vous vous dites, bah, je suis dans un environnement où je suis ouvert à la réception. Mais chez moi, je ne vais pas aller taper thérapie point d'interrogation. Ça ne m'intéresse pas en fait. Si je les voyais en live, je me dirais, tiens, ça m'accroche pas. Mais là. Mais que voulez-vous? Maintenant, c'est juste les cadres sup qui ont 400 balles à foutre un jour précis dans l'année à faire
la queue, là, les managers et tout, tous ceux qui travaillent en bureau, ils peuvent faire le clic, vous savez, et puis rester dans la file d'attente, acheter leur passe, et puis ensuite ils viennent pavaner en faisant des selfies, puis en venant manger des saucisses merguez. C'est fabuleux le Hellfest, hein, ce que c'est devenu. Oui, vous sentez le seum là dans ma bouche, sentez-le bien, hein, sentez-le bien, parce que là je me retiens en plus. Allez, on passe maintenant sur la Warzone. La 8-6 crew, je ne connais pas. Biohazard, c'est pas mal, c'est même très très bien. Il y a quand même une grosse énergie sur scène, je les avais déjà vus. Body Count et Ice-T, bah pareil, grosse énergie, vraiment très très bien foutu. Clawfinger, je ne connais pas. Coxparrer, je ne connais pas. J'espère qu'il y a tous ces gens-là qui passent sur la Warzone. J'espère que tous ces groupes qui passent sur la Warzone, qui est une scène relativement politique, c'est-à-dire qui s'intéresse à la vie de l'humain et la vie de la cité, dénoncent l'intégralité des génocides et des massacres qui se passent dans le monde depuis 2-3 ans. J'espère que ces gens-là prendront en considération ça et pour promouvoir un petit peu la paix. N'hésitez pas à me le dire hein, plus tard, si vous avez eu la chance, vous, d'avoir votre sésame et d'aller au Hellfest 2024, s'il y a des gens qui ont pris la parole pardon, pour eh bien, condamner les groupements terroristes et génocidaires en fait, qui tuent des enfants. Coxparrer, je ne connais pas. Crystalline Lake, je ne connais pas. Ils ont la classe quand même hein, sur la photo. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Didier Wampas, Psychose Attack, je ne connais pas. Est-ce que ce serait Didier des Wampas? Je n'en sais rien. Dropout Kings, je ne connais pas. Drug Church, je ne connais pas. Dying Wish, je ne connais pas. Eight Sins, je ne connais pas. Hunter Shikari, j'ai déjà vu, mais je n'ai pas d'avis. Fallen Lilies, encore un groupe de Femeux, je ne connais pas. Gel, GEL, ne connais pas. Par contre, s'asseoir sur un tabernacle ou je ne sais quoi, là, dans une église, un peu moyen la meuf quand même, hein, la Rousseau, là. Pas trop respectueuse, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Harm's Way, je connais pas. Kickvis, je connais pas. Madball, bah je connais, je les ai même déjà vus plusieurs fois en live. J'ai pas d'avis dessus, c'est pas trop ma cam. Necromantics, alors ça a l'air d'être complètement barré. Regardez-moi ça, avec sa grosse basse, là, où je sais pas ce que c'est, une contrebasse en forme de cercueil. Skowl, Scowl, je ne connais pas. Show Me the Body, je ne connais pas. Smash Hit Combo, je connais. Et ça fait des années que ça existe. Jamais vu en live. Sorcerer, je connais pas. Ils ont pas du tout une gueule à s'appeler Sorcerer avec la t-shirt, enfin, sweatshirt, casquette à capuche. Mais bon, pourquoi pas. Speed, Stinky. Il y a vraiment des groupes qui ont des. Excusez-moi quand même, je vais être un peu. Vous connaissez mon franc-parler. Il y a des groupes qui manquent un peu d'originalité. Hein. J'allais dire qu'ils ont des noms de merde, c'est un peu le cas. Ça manque grave d'originalité. Hein. Speed, Sorcerer. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ils montent vraiment des groupes pour ensuite faire des scènes internationales comme celle du Hellfest à s'appeler comme ça? Moi, je suis un peu stupéfait, quoi. Ensuite, il y a Subtle Tendencies, qui est un super groupe très ancien. Je sais pas qui reste dans le groupe aujourd'hui, peut-être ouais, que le guitariste. The Casualties, excellent. Ça, faut aller les voir aussi, il y a quand même une bonne grosse ambiance. C'est Ramones, c'est tous ces trucs-là, quoi. The Dead Krazukis, je ne connais pas, avec une meuf aussi. The Interrupters, je ne connais pas. Throne, je ne connais pas. Thursday, je ne connais pas. Total Chaos, je ne connais pas. En fait, je ne connais rien, quasiment, vous avez vu, hein. En fait, c'est parce que c'est les scènes qui ne m'intéressent pas plus que ça. C'est pas mes styles de musique de prédilection. Allez, on arrive sur Main Stage 2 et 1. On va les rapidos. Accept, super. Déjà vu en live, vraiment une énergie folle. Ils n'ont pas pris une ride, hein. Donc ça, faut les voir. Encore, je ne connais pas. Baby Metal, je les ai jamais vus en live. Je vais rater ça. Ça me fait chier. Je crois que c'est vendredi. Je crois que c'est le vendredi, ouais. Ça m'énerve parce que. Voilà, il y a un gratin quand même dans les musiciens de Baby Metal. Les nanas, bon, bah, elles valent ce qu'elles valent. Hein. Elles ont déjà pris. Une dizaine d'années depuis qu'on les a connus, donc maintenant c'est plus des ados. Ouais, j'aurais bien voulu aller les voir. Ensuite, il y a Bad Situation, connais pas. Bleed From Within, jamais écouté, je vois ce que c'est. Bruce Dickinson, voilà, le culte de la personnalité. Je comprendrai jamais, moi, les gens qui font un groupe avec juste leur nom. Ok. Corey Taylor, bah maintenant, voilà, c'est la mode. Voilà le chanteur de Slipknot, voilà, qui fait comme les autres, hein. Il fait son propre. Quoique j'abuse ou pas. Non, ça fait quelques années moi, que ça existe. Déjà avant, il avait un autre truc, je sais plus comment ça s'appelait. Oh, vous savez sûrement. Qu'il avait en parallèle de Slipknot, je sais plus. Je sais plus. Ça me passionne tellement la vie de ce gars que je m'en fous complet.
Crystal Viper, je ne connais pas. Dropkick Murphys, j'ai déjà vu et c'est très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce groupe-là, je crois qu'ils viennent de Boston. C'est très énergétique, enfin énergique, ça mélange un peu musique celtique avec hardcore, quoi. C'est vraiment bien pensé, j'aime bien. Eternal Champion, très 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 bien. Ça, c'est une des révélations heavy metal que j'ai eues les dernières années. Coucou au pote Alex, hein, de Lyon, hein, si tu vois un jour cette vidéo. C'est lui qui m'avait fait découvrir ça. Frank Carter and the Rattlesnakes, je ne connais pas. Hot Wax, encore un groupe de filles, ok, je ne connais pas. Ice Nine Kills, je ne connais pas. Lance Murks, je ne connais pas. Lophophora, je connais. Ça joue bien, ça joue très très bien. Neck Deep, inconnu au bataillon. Rhapsody of Fire, bon bah je regrette de ne pas être au Hellfest cette année, ne serait-ce que pour voir un concert de ces gens-là, parce que ça fait parmi les. Vous savez, c'est des Italiens, c'est parmi les premiers à avoir poussé un peu comme Angra le power metal dans ses retranchements, quoi. Vraiment des choses, ça joue très 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 bien. Sainte-Agnès, je ne connais pas. Savage Land, tout ça reste à découvrir. Saxon, je ne supporte pas. Vraiment, hein, c'est. Je peux pas. Rien que la voix. Chaka Punk, bah voilà. Je savais même pas qu'ils étaient au Hellfest. Ok. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est. Bah, ça n'a rien à voir avec du métal déjà. C'est de la fusion complètement barrée, électro, hip-hop, trip-hop, rock, expérimental. C'est très très bien, Chaka Punk. Hein. Après, je suis pas un grand fan, mais je veux dire, c'est à chaque fois écouter des morceaux de Chaka Punk, ça me. T'en entends un, t'en entends un autre, c'est pas le même du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ils savent vraiment donner de la couleur à leur composition. Simple Plan, alors là, je supporte pas ce genre de groupe. Steel Panther, trop vu, trop revu, trop trop revu. Par contre, si vous voulez aller voir des roploplos, allez-y, hein, parce qu'il y a toutes les meufs qui montent leur ins. Donc, ça, c'est. Pour aller se laver l'œil au Hellfest, faut aller soit à un concert de Steel Panther, se rincer l'œil, pardon. Soit j'avais vu des gendarmes qui s'étaient rincé l'œil à 11h midi sur une main stage, oh, ça devait être vers 2012. C'était sur. C'était pas Punish Yourself. Si, c'était Punish Yourself, je crois. Donc il y avait les nanas du chanteur et du mec qui gère les samplers qui étaient présentes et elles sont relativement généreuses, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en plus de ça, elles faisaient du crachage de feu et puis elles étaient topless et compagnie. Donc bah, allez-y, hein, ceux qui veulent si vous avez acheté une place du Hellfest, si vous jugez qu'il y a trop de bouse, au moins vous allez pouvoir vous rincer l'œil. Ça ne sert qu'à ça en fait ce genre de groupe. Hein. C'est des putains de poseurs, je supporte pas ces trucs-là. Une espèce de glameux dégueulasse là, un peu à la Motley Crue, à la Guns, c'est insupportable. Enfin, en tout cas, moi je peux pas quoi. C'est trop. Stratovarius, ça c'est des musiciens. Ça, c'est vraiment des musiciens. Ou pour le coup, c'est l'inverse de Steel Panther. Hein. Il n'y a pas de poseur du tout là-dedans. Summerlands, je ne connais pas. The Offsprings, déjà vu. C'était une bonne chose pour moi que je les vois, parce que j'avais bien aimé Americana quand j'étais petit. Hein. Ça devait être sorti aux alentours de 98, 99. Ça faisait bizarre de voir ce groupe. Ouais. Après, c'est pas ma came, hein, mais bon. Ça revient. The Prodigy. Ah, ça, c'est pareil, hein, c'est un groupe historique. Wargasm, je ne connais pas. While She Sleep. Sleeps, pardon. Inconnu au bataillon. Yngwie Malmsteen. Donc, ça, c'est pareil. C'est un artiste que j'ai jamais vu sur scène. Et ça me casse les COUI2LES de ne pas avoir un minimum de fric pour aller le voir. Ça m'énerve. Mais vraiment, ça m'énerve d'une force. Je sais pas quelle heure il passe, j'ai pas envie de cliquer dessus, la vidéo va être trop longue. Je voulais juste faire un billet de blog et là ça fait déjà 30 minutes, allez on va finir rapidos avec la main stage 1. Voilà. Et on va regarder ça ensemble. Alors il y a 7 weeks. Je connais pas. De toute façon, plus on va vers la fin de ma vidéo, là moi c'est des trucs que je connais. De toute façon, vous l'avez remarqué. Alien Weaponry, OSEF. Anvil, bah, c'est marrant, il y avait eu un documentaire, un docu-film sur eux. C'est un plus vieux groupe canadien, je crois. Ouais, je crois que c'est en canadien. J'ai pas entendu. Si j'ai dû en écouter, mais ça m'a tellement marqué, vous voyez, que j'ai rien à en penser. As in Hell, connais pas. Avenged Sevenfold, je vois ce groupe partout, 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 partout depuis des années. Je finis par écouter, je regarde, j'écoute et je me dis, ah, c'est ça. Blackstone Cherry, je sais pas ce que c'est. Blue Pills, je m'en fiche. Cosmic Psycho, je m'en fous. Darken, je ne sais pas ce que c'est. Extrême, oh là là, Nuno Bettencourt, l'un des meilleurs guitaristes du monde. Bah fait chier de les rater, parce que même si c'est pas trop ma came, rien que pour voir Nuno et son exceptionnel talent, ben,
Ça fait chier, voilà. Je vais encore rater Fear Factory aussi, purée. Fear Factory, je suis pas le fan fini, mais ah, il y a eu quand même 2-3 albums dans les années 90 qui étaient quand même bien foutus. Hein. Ils développaient vraiment une hargne et tout, c'était vraiment très cool. Foo Fighters, pareil, c'est des groupes un peu mythiques que j'aurais bien voulu voir, pour dire au moins je les ai vus, je les ai jamais vus. High on Fire, connais pas. Carnivool, je ne connais pas. Oh là là, le retour raté, téléphoné, insupportable. Je vais pas prononcer son nom, vous le lisez là. Hein. Voilà, il a joué dans un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux groupe de thrash américain. Love Bites, que des nanas qui ont l'air japonaises, peut-être, ouais. Machined, alors je suis pas fan du groupe, mais gros respect à eux quand même, parce que voilà, ils ont passé un peu toutes les époques. Mammoth, WVH, imprononçable, je ne sais pas ce que c'est. Massisteria, alors ça c'est marrant, un coucou FX, tu pourras regarder peut-être sur Arte Concert ce qu'ils ont réussi à faire comme set. J'ai un pote qui regarde la chaîne qui est un assez fan de Massisteria. Mais non, je dis n'importe quoi, je confonds avec Massive Attack. Ouais, je suis fatigué, excusez-moi, je suis sous médoc en ce moment. Donc OZEF, donc voilà, voilà ce que je vais rater jeudi, chers amis, hein, c'est mon groupe préféré. Du monde, de la mort qui tue, voilà, et je vais rater ça, alors que coucou Wizard, copain là, de la chaîne qui m'a envoyé sur Discord des petites vidéos de ce qu'il avait vu déjà du concert. Ils sont en Europe en ce moment, ça joue un peu partout, c'était admirable. Il m'a dit que Timo aussi, le nouveau guitariste finlandais là, ben, était de plus en plus à l'aise, notamment avec les solis de tous les anciens guitaristes, hein, de Friedman à Broderick. Donc la voix de Mustaine. Je ferai sûrement un vlog sur la voix de Mustaine, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, elle s'est arrangée, après son opération, après son soin, son cancer qu'il avait eu. Tout va très bien. Donc là, apparemment, on a vraiment, selon lui, j'ai même écouté ses vidéos, effectivement, j'ai l'impression que ça joue vraiment comme avant. Donc c'est vraiment très cool. Je n'aurais pas pensé. Hein. Donc, bah, Megadeth, voilà. Dommage pour moi. Ensuite, il va y avoir Nova Twins. Alors ça, j'ai entendu parler. Je n'ai jamais écouté. Ensuite, Orden Hogan. Je sais pas ce que c'est. Polyphia. Alors, je crois que je vais rater un truc que j'aime parce que je ne connais pas le groupe, mais en fait, si, parce que je viens de voir. Je crois qu'il s'appelle Tim. Il est très efféminé. Là, il a des tatouages sur le cou. Là, c'est un très, 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 très fort guitariste. Découvert sur le net, sur les YouTube. Il fait des millions de vues. Le mec, il a un toucher. Il fait du tapping. Vous avez l'impression qu'il a des doigts en or. Comment il s'appelle, Tim? Attendez, je vais cliquer dessus. Parce que là, franchement, si vous avez la chance d'aller au Hellfest 2024, allez le voir. Hein. Surtout si vous êtes comme moi, amateur de musique, par le prisme d'être amateur de virtuosité et de maîtrise instrumentale, il faut pas louper ça. Les Texans de Polyphia font entrer le rock progressif dans une nouvelle dimension, donc on est bien d'accord. Hein. Ces jeunes virtuoses, blablabla, metal, hip-hop, électro, dernier album, Remember That You Will Die. Ils n'ont pas donné, mais c'est Tim, je sais plus comment. Tapez Polyphia, faites une petite recherche sur Google, vous allez trouver des vidéos de sa chaîne à lui. Et non, non, c'est exceptionnel. Queens of the Stone Age, bah, ça c'est pareil, depuis que je m'intéresse à Alice in Chains et donc toute cette période-là, à peu près début 90, bah, c'est un groupe que je n'ai jamais vu et donc que je vais rater. Dommage, je prends ma gueule. Royal Blood, je connais pas. Slaughter to Prevail, pareil, je vais rater ça, alors que je suis pas fan hein, de deathcore et de metalcore, mais comme Lorna Shore, ça m'a secoué. Ça m'a secoué. La qualité de Alex, le chanteur, au niveau du travail de voix est impressionnante. Le batteur, c'est une pile électrique. Enfin, tout est parfait dans ce groupe-là. Vraiment, même si c'est pas mon style de musique, tout est parfait. Je voulais voir ça. Et pff, Tom Morello, quoi. Dieu merci, je serai loin, je pense. Je n'aurai pas à subir Tom Morello. Et voilà, on a fait une affiche globale. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait déjà 39 minutes que je parle pour rien dire. Mais n'hésitez pas à me dire si vous y allez, si vous n'y allez pas. Et puis, ben, moi, je vais faire la queue, quoi. Je le dis, on va voir s'il y a moyen de se dégoter un petit bass à 100 balles, au moins pour voir Megadeth et Immolation, quoi. Ce serait con de rater au moins ces deux-là. Je vous assure, en fait, pour moi, même si je chie sur la gueule du Hellfest pour ce qu'il est devenu commercialement, c'est un peu mon pèlerinage à moi. C'est ma petite sortie de l'année. Je ne vais jamais au ski, je ne vais jamais à la mer, je ne vais jamais à ceci, à cela, à ce que vous voulez, et encore moins dans un pays étranger. C'est un peu le moment où je vais découvrir, justement, vous savez, vous vous baignez avec beaucoup de monde, et en fait, il n'y a pas vraiment de bruit, parce qu'il y a tout le temps du bruit, si vous voyez ce que je veux dire.
Dans un environnement sain, quand vous entendez du bruit par-ci par-là, ça vous énerve, parce que normalement, il y a la qualité de silence. Mais dans un festival, c'est d'un commun accord que de toute façon, il y a du bruit partout. Donc ça ne me donne pas de boule au ventre. Et puis, vous côtoyez voilà, des Péruviens, des Canadiens, des machins, des Thaïlandais. J'ai l'impression de vivre vraiment un voyage auditif, visuel, olfactif. Voilà, soutenez les petits restaurateurs végés, hein, parce qu'il y a beaucoup de restos qui proposent maintenant des choses super succulentes en termes de bouffe végétale, et pas très cher en plus. Donc, bah, bon festival à vous si vous y allez. Moi, je vais aller ENCULER, ma race, chez moi, à me faire chier avec mon voisinage et mes médicaments. Et ben, à très bientôt pour des nouveaux vlogs, des nouvelles aventures de musique ou d'autres choses. Ciao, ciao!